Yo l'équipe, c'est Sang. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça je vous invite à lâcher un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous aurez pu voir au titre, si on avait l'armée tout simplement quand on a 5 étoiles dans GTA 5, donc ça serait vraiment énorme je pense. Donc ça c'est un concept qui va peut-être arriver quand il y aura le DLC militaire. Donc c'était un DLC qui va bel et bien arriver, ce n'est pas du fake, mais quand est-ce qu'il va arriver, ça nous pourrons pas le savoir pour le moment tant qu'ils n'ont pas ajouté les fichiers dans le jeu. Mais c'est une fuite qui s'est révélée vraie tout simplement, car il y a beaucoup de choses qui font penser à ça, etc. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous explique en détail pourquoi un DLC militaire va arriver. Donc voilà. Alors, tout simplement, j'aimerais qu'il y a 5, quand on a 5 étoiles, on a l'armée qui arrive. Dans San Andreas, c'était possible. Nous avons les tanks qui arrivaient. Donc là, je vais vous mettre un petit extrait. Normalement, vous avez vu l'extrait vidéo. Et franchement, je trouve ça vraiment stylé. Ça rajouterait un peu de l'ambiance pour avoir 5 étoiles, etc. Car bon, là, 5 étoiles, c'est facile. Il y a juste des hélicoptères, un peu plus de flics, etc. Mais il n'y avait vraiment pas quelque chose d'énorme. Alors que quand on va dans la base militaire, on s'amuse à éviter les tanks et tout, à se faire pourchasser par les tanks, etc. Et là, je pense que s'il y aurait ça dans la ville, bon, certes, ça serait le bordel dans la session, mais ça rajouterait un côté fun. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse et je vous dis bye tout le monde. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.